toute la tringlerie de la Golf, enfin pas toute, hein, c'est une partie au niveau du levier de vitesse. Alors, tout d'abord, on va dire merci à tous les abonnés, hein, parce que c'est vraiment sympa, à chaque clic, vous abonner, ça fait un petit boom au cœur, hein, c'est super sympa, quoi. Bah allez, on va passer aux choses sérieuses. Alors, voilà, déjà, on cale bien sa caisse, hein. Comme d'hab, hein, une bonne hauteur pour avoir la place en dessous. Alors, pour débuter, hein, on va déjà dégager la console, comme vous voyez, hein, sur la caméra. Alors, on va déjà dégager tous les fils de la console, tous les boutons. On va reconnaître les boutons directement à chaque prise, hein, pour ne pas se perdre dans le remontage. Ça reste assez simple, hein. On dégage les boutons par derrière. Une fois qu'on a dégagé, il y aura une petite vis à ce niveau-là, hein, ou ce niveau-là. Non, à ce niveau-là. Une petite vis parquet pour dégager la boîte, enfin la console, et puis dégager les boutons par derrière. Ça reste assez facile, hein. Alors, déjà, c'est pour débloquer un peu tout l'espace qui est ici. Là, on peut voir déjà l'échappement, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Pas grand-chose, hein. Faudra enlever déjà ça pour commencer, hein. On y va doucement. Évidemment, on pourra même le refaire si vous avez du cuir. Bah, je vais le refaire dès que j'ai l'occasion. De toute façon, je le referai, hein. Acheter une bande de cuir. Ça reste assez simple à faire. Il n'y a pas d'autres vis, hein, de toute manière, hein, on tire le pommeau, le cache, la console, des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas grand chose, hein, on retire les cols d'araignée qu'il y a. Et après, on passe en dessous, hein, pour dégager le pot, enfin ouais, le pot et puis la garniture entre le pot et puis la caisse. Je vais vous montrer ça, c'est déjà tout démonté pour montrer un peu comment c'est goupillé. Puis je montrerai au niveau de la tringlerie. Bon. Bon, il faudra dégager le pot, parce que de toute façon, il faudra dégager la ligne juste après le collecteur et le petit cache. Tondelle à graffe, quoi. Il y en a 6. C'est un petit peu chiant, hein, faut les enlever au tournevis. Après, pour la boîte, il y aura les 4 vis en dessous de 13. Là. Ouais, dégager grossièrement, quoi, hein, débloquer la boîte. Et en dessous, on va dégager tout le petit boîtier. Je vais me mettre en dessous. Alors. On voit le petit boîtier, hein. On va se faire chier, retirer les 3 vis du boîtier, hein. Celle-là et les deux derrière. Par le haut, ça reste assez simple, hein, avec un cliquet et puis une rallonge. Mais avant ça, on va déjà commencer à tirer un petit peu la barre, parce qu'on va retirer la rondelle qui se trouve ici, quoi, avec la vis. Parce que je sais pas si on voit là, un petit peu. Vous voyez, il y a une petite fente, hein, où on voit la vis qui bloque un petit peu la barre, quoi. Bon, il faudra dégager le collier. Mais si ça bloque, de toute manière, dégager le boîtier tout de suite, ça ne servira à rien. Il faudra déjà tirer un petit peu la tringlerie, hein, par l'arrière. Et une fois que c'est dégagé pratiquement au bout, on pourra déjà retirer le boîtier pour dégager le restant de jeu qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et une fois que c'est bien débloqué de l'anthrax, hein, ça se dégage assez bien, quoi. On va passer vraiment aux choses plus chiantes là au niveau du boîtier. Allez, revenons au mouton.
Alors, une fois que vous aurez votre barre, de toute façon, ce sera un petit peu le micmac pour le retirer. Vous aurez votre barre avec le gros joint, la grosse bague qui va dans le trotto. Donc, déjà, il faudra passer par derrière. Enfin, par derrière, ouais, il faudra retirer les deux vis là qu'on voit ici, là, les deux petits écrous de 10. Après, il y aura du jeu. Donc, ça sera vraiment chiant à tirer, quoi. À la bague, ouais. Je vais le mettre comme ça, pour vite fait, quoi. Parce que ça sera la tige, elle sera bloquée en dessous. Sera bloqué en dessous, ça se dégage par le dessous, la petite boule qui va bien, c'est bien à se mettre vite fait là, j'ai vite fait, hein. Bon, il y a un petit éton, bon, ça va, le petit éton il se retire facilement, un petit coup de chasse et hop. On retire le petit élan. Donc il y aura le ressort juste derrière de la boule. Donc il faudra s'amuser à appuyer dessus, dégager un petit peu avec la pince. Et puis une fois que vous serez comme ça sur le boîtier, quoi. On va tapoter légèrement le restant de quelques millimètres. Et après, hop, ça vient assez facilement, quoi. Donc pour la tige et la bague, par contre il n'y aura pas le choix, il faudra tapoter hein, dessus, hein, ça se dégage par l'intérieur. Donc on va tapoter sur la bague, avec les mains, vite fait quoi. Bon, la bague elle sera comme ça à l'intérieur, et elle va ressortir, on n'a pas les deux tétons. Hop. Et là il faudra le dégager en poussant à l'intérieur. Donc la barre, en fait, elle vient directement avec avec la bague. Vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas retirer la barre sans la bague. Donc ça vient avec. Hop, et puis bah voilà, une fois que c'est fait, tranquillou. Donc bah, la passage nettoyage, hein, on va retirer. Ça c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour retirer ça. De rivet pop, un petit coup de perçage, un petit coup de nettoyage partout, et puis bon, on va remonter gentiment. Je pense que la bague, je vais en chier pour la rentrée. Ouais, je vais en chier, je pense. Hein. Bon, je vous reprends une fois que c'est quasiment remonté. Bon. Je vais montrer un petit truc.
Les règles pour la marche arrière, enfin les petites barres quoi, en plastoc. Je vais montrer la différence avec celui qui est d'origine. Par contre, il n'y a pas la référence. Enfin, je regarde. Voyez, c'est la différence. C'est que le truc pour poser la barre pour la marche arrière, celui d'origine est plus épais. Et celui de Mécatechnique, bah, il est moins épais. Alors, avec le soleil, peut-être qu'on voit mal. Je demande vite fait, hein. Mais il paraît largement moins costaud quoi. Déjà il est pas le bout de plastique il est pas plein, il y a plein d'ailettes. Et sur celui d'origine bah, il est plein. Alors, vous voyez, il y a pas d'ailettes. Et il paraît bien bien plus costaud quoi. Là ce que je vais faire c'est que je vais l'adapter. Je vais pas mettre de rivet. Hein, comme ça, s'il pète, je puisse m'arranger pour le changer sans retirer le pot et toute la boîte. Donc, je vais me démerder avec des vis comme ça. C'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment de pas trop mal. Je vais voir si ma barre elle passe bien, quoi. Hein, sans remettre le pot. Je vais voir si ma marche arrière elle passe sans toucher, sans que ça gêne quoi. Sinon j'avais d'autres vis comme ça. Celle-là elle passe super bien. Mais la tête elle est un poil trop petite. Ça se pose mais c'est vraiment un chouïa quoi. Pourrait être pas mal mais en serrant j'aurais trop peur que ça dure pas longtemps quoi. Ça tienne pas les masses quoi. Je vais voir tout de suite, on va voir ce que ça donne au montage. Bon, j'ai fait un petit essai, ça a l'air d'être pas trop mal. Comme ça quoi. Faire comme si il était relevé avec le ressort. Et puis, hop. Mal, ça passe pas trop mal, ça passe plutôt bien. Je vais voir, j'ai monté ça. Voilà, comment ça se dégoupille. Bon, ça va super bien. En fait. Voilà. Pour entrer la bague, il faudra penser à graisser avant de. La petite cuve hein, pour la boule et puis quand vous allez enclencher la bague en fait ce que vous allez faire c'est vous servir de la barre pour enquiller la bague donc par le haut et tirer un petit coup quoi voilà ça va venir toucher mise ouais la marche arrière acheter un petit coulet. Bah nickel. Regardez. Bah nickel. Les vis, ça gêne pas. Donc c'est super. Est-ce que je me prenne un tournevis un petit peu plus long pour le cas où, mais sinon ça va bien. Le tournevis. Je ferai un petit peu plus long quoi, en cas où si je dois changer. Bah sinon, un petit écrou, puis hop. Je vais voir comment. Si les petits tétons, bah, les embouts de vis, ça gêne pas pour remettre la boîte. Et on va voir ça. Oh, nous voilà pour la boîte. Bah, système de tringlerie posé. Fini d'être posé pour remonter. Ça va être chiant à re-régler. Hein, parce que c'est comment dire sur mesure on peut dire. Donc pour la boîte bah, c'est pas trop mal.
En fait, il y a le même jeu qu'à l'origine. Hein. Mais bon, voilà, moi c'était un truc à faire. Donc, vu que je devais réviser mon pot, hein, parce qu'il était en fait, il était pas bien, bien mis. Et puis, il fallait que je remette de la pâte et tout ça. Donc, j'ai bien mis, ça bouge plus du tout. Je vous montrerai ça. J'ai mis des joints plus costauds que ceux d'origine. Je vous montrerai ça en lien dans la description, je pense, ou en image, je verrai. Vous verrez, les joints, ils sont vraiment tip-top. C'est la même taille que ceux d'origine. Donc pour la boîte, eh ben, mes vis, pile poil, hein, faudra ajuster, par contre, qu'elle soit pas trop, trop grande. Parce que ça va toucher un chouïa. Ça va toucher un chouïa, mais bon, ça va le faire, quoi. Moi, ça a été vraiment limite. Ça a été vraiment limite. Par contre, au montage, faudrait que je règle un petit chouïa, parce que j'ai l'impression que quand j'enclenche ma première, moi déjà, bah là, je suis en troisième. Et là, il faut pas que j'appuie trop fort. Voilà. Et en fait, il faut que mon levier il rentre dans la languette. Alors, je sais pas si c'est vraiment comment dire, une sécurité d'origine pour les golfs, pour pas enclencher comment dire, la première en cours de route ou un truc dans ce genre, une genre de sécurité anti-première. Et donc, deuxième, bah, je suis obligé de relâcher. Et bah la deuxième, elle passe. Et après, et l'arrière, bah là, elle passe. Mais il faut bien que j'appuie. Parce que là, le moteur, il a arrêté, quoi. Mais sinon, les vitesses, elles passent super bien. Troisième, quatrième, et cinquième. Bah, toutes les vitesses, elles passent bien. Mais la première, je trouvais ça bizarre. Faut que j'enclenche gentiment dans. Il faut que la téton du levier de vitesse, la tige, hein, faut qu'elle rentre dans le guide de la marche arrière. Et sans enclencher la marche arrière. En fait, il faut aller plus loin pour la marche arrière. Voilà. Et la première. En fait, faut que. Mais ça se passe, ça se fait facilement, le moteur allumé. Ouais, je vais voir, je vais déplacer un petit chouïa la tige qui est un peu plus loin là. Je vais la tourner un petit coup de quelques millimètres pour voir ce que ça donne. Ouais, je demande sur des forums voir si c'est d'origine. Pour moi, non, sur le coup, je dis merde, c'est une faute. Ou mauvais réglage. Mais si ça se trouve, c'est une sécurité d'origine. J'en sais rien du tout. Je ne me rappelle plus sur mon édition One. Comment la première elle était foutue, mais non, j'ai pas de souvenir comme quoi il fallait que je l'enclenche en appuyant, quoi. J'ai pas vraiment de souvenir. Bah, sinon, voilà pour le remontage de ce que ça donne. Donc, la vis, hein, les vis comme j'ai mis là, bah, ça donne, c'est super bien, ça dérange pas, ça gêne pas la marche arrière ni ma première d'ailleurs. Voilà, au montage, j'ai mis de la mousse tranquillou. J'ai remis de la mousse là, pareil, derrière. Pour mon relais, le gros relais qui est dans la boîte, je me suis démerdé pour bien, comment dire, pour foutre des joints autour et puis le caler entre la plaque. Il y a une plaque alu ou une petite tôle qui est derrière. Et il y a un autre relais qui s'agrafe aussi dessus. Donc nickel, voilà quoi. J'ai un peu fait quoi, j'en ai profité pour retirer ça, pour que je change la loupiote là qui est fatiguée, qui est morte, c'est chiant à retirer d'ailleurs. Et puis ben, du coup de lustrage, hein, bah, il est comme neuf. Bon, bah voilà, quoi d'autre, ce que je vais faire pour mon soufflet, il y a un petit trou là, je vais adapter un écusson sympatoche dessus. De toute façon, il est à peine voyant le trou, mais le soufflet, il y a juste le petit trou qui fait chier, quoi. Le reste, il est nickel, quoi.
Je vais adapter un écusson, je vais le coudre avec mon petit fil à cuir. Puis ça va être super sympatoche. Bah, quoi d'autre? On va sortir, je vais regarder, on va montrer le pot. Je sais pas si on va montrer. Bon. Nous voilà là. Je sais pas si on va pouvoir les voir. Et du coup, j'en ai acheté que deux, mais on les verra pas. Ben, on les verra pas, quoi. Je vous montrerai. Ah, nickel. Et là, il bouge plus. Il est bien calé. Il est bien calé, quoi. Je vous montrerai les super joints. Sont vraiment tip top. Ouais, je vais relancer un petit peu la mode peinture sur les pneus. Hein, qui sait que prochain coup, je prendrai en d'une autre couleur. Ouais, c'est sympa, mais c'est long à faire. C'est super long, quoi. Voilà pour la petite vidéo. Hein, quoi d'autre? Bah, merci aux abonnés, comme d'hab. Pensez à vous abonner hein, si c'est pas fait. Inscrivez-vous sur YouTube. Puis un petit signe de soutien. Faut cliquer. Hein, j'aime ou partager la vidéo. Allez sur ma page. Il y a toujours des petites références, des sites intéressants, ça peut être sympa à voir. Et puis bah voilà quoi. Et puis bah c'est tout. Bon bah une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bah ciao à tous.